pas bien. Pas bien. Pas bien comme vous. Ah oui, alors, et... Oh, maman. Ah oui, alors, maman, ce matin, nous sommes venus déposer une plainte, puisque je suis l'avocat du SPNA, je suis des avocats du SPNA 17, donc le SPNA 17 a sollicité le cabinet avocatus pour le dépôt d'une plainte contre les membres du CSPN, le commissaire Aladin, et toutes les personnes généralement quelconques qui n'ont pas pu assumer leurs responsabilités dans le cadre de l'assassinat des différents policiers au niveau de Liancourt, au niveau de Pétionville, etc. Donc, ce matin, nous déposons une plainte au niveau du parquet. Maintenant, le parquet se chargera de préparer son réquisitoire déformé puisque on a été obligé de changer de stratégie parce que le greffier en chef n'est pas là, le greffier en chef tassé n'est pas là. Maintenant, c'est le commis parquet en chef qui reçoit la plainte. Donc, on va faire le dépôt de cette plainte, après quoi je pourrais vous donner mes avis sur les différentes démarches qu'on a entreprises. Parce que ça qui a passé là, policiers ont capté les mourir, autorités concernées, autorités CSPN, beaucoup. Et nous allons faire ce que de loi, parce que au regard de l'article 264 du Code pénal, au cas où suivons un pour non-assistance à personne en danger. La majorité policiers mourir, si nous avons des voix, leur tapant des renforts, malheureusement, les autorités policières, les autorités judiciaires n'ont pas réagi. Donc c'est la raison pour laquelle le SPNH, comme étant syndicat travaillant au sein de la police, a décidé de déposer cette plainte. Et nous avons souhaité que doyen Chavannes-Etienne fait ce que de droit pour l'acheminer peut-être devant un juge d'instruction et que pour le réeler par devant cabinet, tout le monde qui est autorité dans le CSPN, que le Ariel Henry, que le ministre de justice, que le directeur général de la police, que le ministre intérieur. Donc tout le monde sort bien responsabilité devant la mort policière. Nous avons constaté qu'il y a des policiers dans l'opération. Et malheureusement, qui a vraiment des renforts qui va jamais jouer. Face à ce constat, ou bien face à cette tuerie en série, si nous avons ça, nous avons des policiers qui mourent dans le niveau de l'encours. Et malheureusement, c'est avec un peu d'amertume, un peu de choc. En plus, désolation, frustration, on a constaté que des enfants, munis d'armes lourdes, ont fait vidéo cadavre policier pour job, qui des familles, qui des petites, qui des madames, etc. Et puis qui mourent, six policiers mourent, etc. Donc je disais là, structure syndicale a décidé de porter plainte. Parce que l'hypothèse de plainte, parce que ils sont structure qui a bataille pour policiers, ils font partie de quoi là? Contre qui? Contre les membres du CSPN, à savoir. Conseil supérieur du coup de la police nationale, j'avais dit là. À savoir, Ariel Henry, les prophètes. Des GLB, même le commissaire Aladin est cité dans la plainte. Pourquoi? Parce que par rapport à la mort de ces quatre policiers au niveau de Pétionville, au samedi, non voice, nous dit nous, les policiers ont passé plus de 2 heures de temps à demander des renforts. Maintenant, pour nous-mêmes comme avocats, qui s'est conseiller structure syndicale, hein? Maintenant, je dis, mais est-ce que l'on est en danger, l'on ne peut pas porter assistance avec, est-ce que la loi police? On dit oui. L'on a regardé l'article 264 du Code pénal, il est dit que toute personne qui refuse de porter assistance à quelqu'un qui est en danger est passible d'une infraction délictuelle. Et le cap nous passe entre 6 mois à 1 an de prison. Nous allons dire pour qui ça me passe ce tribunal correctionnel, mais non. Parce que nous déposons peut-être pas devant le cabinet d'instruction, nous déposons peut-être pas devant le cabinet d'instruction, c'est parce que dans plein temps nous parlons de l'association de malfaiteurs. Et association de malfaiteurs, c'est une infraction criminelle qui est punie par l'article 224 du Code pénal. Vous savez, non. Donc je dis là, nous venons déposer plainte, non, c'est parce que nous voulons dire à ces autorités ou à ces personnes investies d'autorité, écoutez, que la loi punit leur non-agissement. C'est-à-dire le fait que les policiers aient un danger ou pas pour des renforts, ils punissent ça. Le fait que les policiers aient un danger ou pas pendant 2 heures de temps, la loi punit ça. Mais SPN a dit ça, a estimé qu'il est nécessaire pour que poser accès avec le cabinet d'avocat. Parce que si chaque policier prend l'opération
et que yo pas porter assistance avec yo. Ça crase moral policier, pas bien intérêt, pas bien volonté pour l'opération vraiment. Le monde sa population va livrer pour lui. Et c'est ça on pas vouloir. Donc je dis là, je pense que puisque personne n'est au-dessus de la loi, même Ariel Henry n'est pas au-dessus de la loi. Donc meilleur chemin, chemin qui est élégant, c'est déposer plainte là. Maintenant, le doyen du tribunal de première instance, à savoir Maître Charles Etienne, il va gagner le choix. Puisque le dépôt de la plainte a été fait, nous déposer plainte au centre. Maintenant, bon dossier qui t'a préparé là, le dossier sera acheminé pardon, au greffe du cabinet des sociaux. Maintenant, doyen par une autre chose pour désigner un juge certifié, bien sûr. Maintenant, pour le désigner et de là étant, il faudra commencer à tendre le monde qui fait partie de CSPN, y compris le commissaire Landé. Parce que les policiers, nous, ils n'ont pas qu'à comme des chers à canon, je vous dis, ils n'ont pas qu'à laisser le compte, ils n'ont pas qu'à quitter leur mouille comme ça. Donc, il faut que supporter, il faut que le moyen d'ailleurs regarder ça passer hier dans le niveau là où ils sont frustrés. Et nous comprenons leur frustration, mais cependant, les policiers, il ne faut pas attaquer les mêmes personnes qui n'ont même classement fait, ça me dit non. Mais cependant, nous-mêmes, dans le niveau cabinet, nous avons accompagné avec SPNH, et nous-mêmes, nous étions confiants que les autorités de ce tribunal prendront la décision nécessaire en acheminant ce dossier par devant le juge qui sera saisi, et là, ça faut que le juge prenne responsabilité pour les tout le monde. Tout le monde qui est dans le CSPN a une responsabilité dans leur mot policier dans le couillot. Dans leur mort, policier Petroville et tout policier qui mourent dans l'exercice fonction, parce qu'ils ont pour mission première d'accompagner, de supporter, de fournir tous les moyens généralement quelconques à tous policiers qui travaillent dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci.